Stéphane, installé en 2013 en production laitière, bio et en viande bovine, avec une activité de vente directe. Sur mon exploitation, j'accueille des stagiaires pour aider les jeunes aussi à se faire une expérience, parce que l'école c'est bien, mais il faut la compléter par une expérience en exploitation agricole. Aujourd'hui en agriculture, on a aussi besoin d'une relève. Il y a beaucoup d'exploitations à reprendre, donc il faut aussi qu'on aide les jeunes et qu'on accueille les jeunes, même ceux qui ne sont pas issus du milieu agricole, à rentrer dans nos exploitations pour aussi qu'ils connaissent l'intérêt et l'amour de nos animaux. Pour trouver des stagiaires, aujourd'hui je suis inscrit sur la plateforme Stage Agricole. Donc la plateforme est gérée par les jeunes agriculteurs. Et sur cette plateforme-là, ça permet de laisser toute la description de l'exploitation, si on peut héberger, si on ne peut pas héberger, quel niveau de formation, quel profil de stagiaire on accueille aussi. Et du coup, ça évite aussi d'avoir plein d'appels qui sont complètement hors sujet pour quelqu'un qui cherche dans une autre production ou dans un autre domaine. Ça permet de recentrer les choses. Ça m'a permis d'accueillir Florie en apprentissage depuis le mois de septembre. Donc sur l'exploitation, j'ai un salarié. Je cherchais aussi à vouloir former quelqu'un plus sur du long terme. Donc l'apprentissage, ça correspondait bien aussi, parce que comme ça permet de l'avoir aussi sur 2 ans et de pouvoir vraiment pouvoir capitaliser sur un jeune. Stage Agricole, c'est une plateforme qui permet d'avoir des stagiaires qui savent déjà où ils appellent, qui ont aussi les coordonnées par mail, donc elles peuvent aussi amener, ils ou elles peuvent amener des mails pour faire des demandes de stage ou des CV. Ça permet de professionnaliser un peu la vitrine du monde agricole, on va dire, par rapport à des jeunes qui veulent trouver une première expérience en exploitation agricole. Stage agricole, il faut que ce soit vraiment une vitrine pour l'agriculture. Il faut que ce soit un outil. C'est un outil de la promotion de notre métier. Si on veut des jeunes et si on veut que on continue toujours à être nombreux en tant qu'agriculteurs, il faut aussi qu'on accueille des jeunes sur nos élevages. Et stage agricole, pour moi, c'est l'outil qui permet aujourd'hui cette vitrine. Thank you.